Le mardi 3 février dernier, l'UTC recevait la visite de Nicole Klein, préfète de la région Picardie. Après son arrivée au centre Pierre Guillaume, Madame la préfète Nicole Klein a découvert pour sa première visite à l'UTC quelques laboratoires comme le laboratoire TIMR, transformation intégrée de la matière renouvelable, qui met en avant l'eau en poudre, ici démontrée par M. Cachaillard Salé, directeur du département du génie des procédés. Elle a ensuite pu constater les travaux de recherche du laboratoire en biomécanique et bio-ingénierie, BMBI, portant sur la reconstitution nerveuse grâce à des échantillons osseux, comme l'explique M. Aigles, responsable de la filière. Madame la préfète a également assisté à la démonstration du robot de tissage Kuka du laboratoire Robert Val par M. Zoher Aboura, qui aide à renforcer et assembler les structures composites également utilisées dans l'aéronautique. La visite de la délégation s'est prolongée au centre d'innovation tout récemment inauguré par la secrétaire d'État Geneviève Fioraso. Madame la préfète a découvert l'une des plateformes technologiques qui présente le concept de la voiture autonome du laboratoire Odiazic. Elle a également fait la connaissance de l'enseignant-chercheur Frédéric Marin qui exerce ses travaux dans l'atelier de capture et d'analyse de mouvement pour le compte du laboratoire BMBI. Après un entretien avec quelques étudiants de la plateforme accueillant le Fab Lab, Madame la préfète a terminé sa visite par la découverte et pratique de la table tactile collaborative baptisée Table Tatin.